Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soirkoolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos d'un glitch qui vient de sortir. Alors je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 qui vient de me prévenir que le glitch vient de sortir sur la chaîne de ZRK Glitcher. Donc je tiens à faire une dédicace à ZRK Glitcher aussi parce que j'ai regardé son tuto pour faire mon glitch. Et je tiens à faire une grosse dédicace aussi au youtubeur anglais qui a découvert ce glitch et qui l'a proposé sur sa chaîne. Alors les trois chaînes des trois youtubeurs que je viens de parler seront bien sûr en description. Alors pour réaliser ce glitch qui va vous permettre de réaliser tous vos défis en ayant personne sur la map, vous allez être tout seul sur la map de Fortnite et vous allez pouvoir réaliser vos défis en 20 minutes parce que tout simplement la partie que vous allez lancer va durer 20 minutes. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir aller sur le mode de jeu Assaut sur la plage qui est sorti hier. Mais avant de lancer ce mode de jeu, vous allez changer votre région matchmaking parce que tout simplement, quand vous allez lancer le mode de jeu, vous allez être 16 sur 16. Si vous êtes 16 sur 16, la partie va se lancer assez rapidement. Donc, je vous conseille de changer de région de matchmaking jusqu'à temps que vous trouvez une région où les joueurs ne sont pas, où les parties ne sont pas complètes. Alors, quand vous allez spawner dans la partie, il faut absolument qu'il y ait 15 joueurs sur 16 ou sinon la partie va se lancer. Ce que vous devez faire, c'est qu'avant que la partie se lance, vous devez sortir de la map. Donc, pour ce faire, vous êtes obligé d'apparaître du côté de la plage. Ensuite, vous sortez du bateau et vous vous dépêchez à sortir de la zone de la map. Donc, quand vous êtes en hors zone du petit jeu, vous allez perdre votre ATH et tout ça. Et là, ce que vous devez faire, c'est vous suicider. Quand vous allez mourir, vous allez réapparaître en hauteur et là, vous allez devoir planer jusque dans la map principale de Fortnite. Quand vous êtes dans la map de Fortnite, là vous faites les défis que vous pouvez réaliser. Alors il faut savoir que vous avez 20 minutes. Si en 20 minutes vous n'avez pas fini, vous avez juste à relancer le glitch. Par contre, une petite astuce, c'est que si vous faites réapparaître, vous allez réapparaître en haut et vous allez pouvoir vous déplacer beaucoup plus vite donc que vous déplacez à pied. Donc voilà, faites réapparition, comme ça vous allez pouvoir voyager dans la map de Fortnite plus rapidement. Ensuite, vous réalisez vos défis et quand vous avez terminé, vous pouvez tout simplement quitter la partie ou alors attendre la fin de la partie. Et voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez surtout pas le petit code créateur SoirKoolMakeYTB dans la boutique de Fortnite. Ça me ferait extrêmement plaisir et merci à tous ceux qui me soutiennent. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoirKoolMak et ciao. Peace. Dumb, 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 dumb